Voyez, vous qui écoutez ce message semant la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message. Vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu parce que vous allez devenir une personne privilégiée. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, bonjour. Avant de terminer le mois, je voudrais vous passer une belle parole ici qui se trouve dans le livre de Romains, chapitre 12, verset numéro 15. Le conseil de l'Esprit-Saint est la chose suivante. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Il y a une bénédiction pour vous en cela. La personne est joyeuse, réjouissez-vous en elle. Faites tout pour que ce jour-là alors ne termine jamais pour cette personne-là, voilà. Donnez toujours une parole joyeuse pour qu'elle puisse rester debout et vous allez voir alors que Dieu va alors la bénir. Et il dit ainsi, pour terminer alors ici, hein, pleurez avec ceux qui pleurent. Nous devons percevoir que la souffrance n'est pas venue de rien. Au fond de nous, nous sommes en train de pleurer avec elle. Mais nous devons demander à Dieu une parole à ce moment-là, hein, une inspiration pour que nous puissions alors planter la bonne semence, que cette personne sorte de cette crise-là, qui n'est pas simulée, non, c'est une crise véritable et dure, mais Dieu donnera la victoire. Regardons cette personne qui a été bénie et je reviens ensuite pour prier. Je suis tombé d'un camion et je me suis abîmé le dos, je marchais comme un robot. Donc j'ai dit, il faut que je raconte ce miracle. Et maintenant ? À présent, grâce à Dieu, je vais bien. Marchez normalement, vous pouvez rentrer à la maison. Ah, il fait même de la gym. Il est guéri, vous voyez ? On applaudit Jésus. À présent, je veux prier avec vous. Père, au nom de Jésus, je prie avec cette personne qui a besoin alors d'apprendre à se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Père, Dieu, pour recevoir la bénédiction de la joie et aussi pour pleurer avec ceux qui pleurent. Pour pouvoir être utilisé par toi ou utilisé à travers toi et que l'autre soit alors béni. Au nom de Jésus, je les bénis tous. Merci et Amen.